Puis on va faire des prussiens à la meringue ou des palmiers à la meringue, dont avec les petites pépites de couleur. C'est quoi ce bruit de malade qui tombe? J'ai déjà séparé le blanc d'œuf, ça c'est important parce qu'on va faire la meringue. La meringue, il faut le blanc d'œuf, hein, le blanc des œufs, mais pas le jaune. Hein. Il faut vraiment le blanc. Et le jaune, on va le garder pour une autre pâtisserie, évidemment. On va les mettre là-dedans. Ça, je vais le mettre au frigo. Parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Maintenant, comme j'ai le blanc d'œuf, maintenant, on va mettre le blanc d'œuf dedans. Dans la meringue. Une bonne cuillère à soupe de sucre dans le blanc d'œuf, voilà. Parce qu'on va viser comme ça au début. Voilà, maintenant, on va faire la meringue. Donc, on va faire le blanc d'œuf. Hein. Voilà, encore un peu. Oh, elle est mieux montée que ce matin, parce que ce matin on a fini. Voilà, maintenant je vais étaler la farce sur. Les pâtes. Je vais étaler vraiment la meringue sur les pâtes quoi. Voilà, je vais faire la meringue. Ça fait le bruit de la meringue. Hein. Enfin, c'est beaucoup mieux que ce matin. Hein. C'est beaucoup mieux que ce matin. Ce matin, on l'a fait, mais ça fait pas donner comme ça. Ça aéré, hein, c'est bien aéré, c'est vrai, je suis pas déjà vu ce soir.
C'est magnifique ce soir, hein, parce que ce matin c'était pas top, hein. Elle a fait ce matin, mais c'était. C'est pas autant beau que ça ce soir. J'espère que ça sera autant bon, mais. Voilà, après avoir meringué les feuilles de. Hein? Maintenant, on va mettre les petites pépites comme le sucre. Ça va faire comme quand on fait avec le sucre, quoi, parmesan, parsème, comme quand on fait avec le sucre. On fait les. On fait la même chose. Là, ça fait comme ça, hop. J'essaie de descendre un peu plus. Maintenant, on va les rouler. On va rouler les cœurs de France. Ou bien les palmiers, les prussiens, c'est ce que vous souhaitez. Qui va le nom pour mieux, le meilleur nom pour vous. Et on va les rouler maintenant. Ça va être pas facile parce qu'avec la meringue, ça veut dire ça prend de la place quand même, la meringue. Hein. Ça prend quand même de la place. Et puis, il faut pas ouvrir le. On se dit, oups. Ça prend quand même un peu de la place quand même, la meringue. Hein. On a bien gonflé, hein, c'est ça, hop. Parce que la moitié, voilà. La moitié, hein, j'espère que. Voilà, hop. Ça veut dire ça prend un peu de place quand même de l'entrée. Après, ça prend même un de place. Oui, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, quand même. Beaucoup de gens qui me disent que c'est magnifique quand on roule comme ça, parce qu'il y a certains qui ne roulent pas, c'est autre chose. Et moi je le roule parce que c'est vraiment, vraiment beaucoup plus joli. La technique, elle est roulée. Que je vais faire avec ça, après je vais éventuellement un petit peu les. Après, je vais les mettre 30 minutes au congélateur. Hein. Voilà, maintenant c'est pendant une demi-heure au congélateur. Hein. Une demi-heure. Voilà, celui-là, j'ai décidé de les passer un petit peu au jaune d'œuf pour faire plus joli, pour les faire briller après la sortie du four un tout petit peu. C'est pour les changer un petit peu, pour les soigner un petit peu. Un petit peu. Vraiment. Des petits. Voilà. C'est pour vraiment les faire briller, tu vois, pour faire joli. Ça changera de la traditionnelle, ça changera vraiment de la traditionnelle. C'est vraiment pour les faire joli, quoi. On peut le faire joli, quoi, c'est. Ouais, faire très joli, quoi, c'est vraiment pour les changer. De là, vraiment. Teinturerie pour les. Là, on va passer au découpage. Maintenant, on va passer au découpage des cœurs de France. Allez, couche-toi.
Si la pâte n'y va pas. Ah non. Un problème de. Oula, bien un problème de. Il y a un problème de maintenance. Oh. Je vais remettre ça au congélateur pour ça. Voilà, après avoir mis les meringues sur la plaque, en fait, sur la grille pour pouvoir les mettre au four, on va les enfourner au four et puis après on verra le résultat.